Alors, on va changer complètement de style, complètement d'esprit. On va changer de tout. Le petit qui va venir, là, c'est ma dernière trouvaille, en fait. Je l'ai rencontré l'année dernière, et puis on a sympathisé, et je l'ai suivi sur Skype. Vous savez, maintenant, il faut vivre avec son temps. On faisait des... c'est même plus sur Skype, c'est sur Messenger maintenant. On peut faire des cours, en fait. Ça marche très bien. Je sais que Monsieur Mornay au cinéma faisait ça. Vous le faites toujours, Monsieur Mornay? Les cours sur Skype? Ça marche? Justement, Monsieur Mornay était sur Messenger, là, ils sont fous. Et donc, voilà, donc du coup, c'est un petit garçon qui joue très bien, qui travaille très bien, qui est passionné. Il y en a comme ça, la plume est tombée sur leur berceau. Et donc on se suit régulièrement, c'est-à-dire pratiquement tous les jours en fait. Et c'est vraiment très impressionnant de voir à cet âge-là, à 13 ans, les gamins comme c'est des éponges, quoi. Ils prennent tout ce que vous leur donnez et en fait ils font exactement ce que vous voulez en fait. Alors des fois c'est compliqué pour nous les profs, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que si vous vous coupez un tout petit peu, après il faut passer l'éponge dessus. Et une fois que c'est acquis chez les gamins à 13 ans, c'est acquis. Alors il s'appelle Jonas Vosbutas, il vient de Lituanie. On l'applaudit. Alors Jonas a gagné une pléiade de concours déjà pour un garçon de 13 ans, mais vous savez qu'on a fait des catégories adaptées à ces jeunes bambins. Puis là, cette année, on s'est dit, bon, on va chez les juniors. Normalement, les juniors, ils ont moins de 18 ans. On va bien voir ce que ça va donner. Au niveau du son, tu le veux plus bas, c'est ça? Vas-y, parle-moi en langage des sourds et muets, je le comprends. Merci. Pas plus. De toute façon, il bouge. Alors, Jonas, Yuswaps, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas nous jouer? What will you play? Domenico Scarlatti, sonata F-moll. And? Gorgo Hermosa. Ok, donc vous avez compris, hein, de Domenico Scarlatti, F-moll, ça doit être Fa mineur, hein, si ma mémoire est bonne. C'est une sonate écrite pour le clavecin, et donc une sonate d'avant 1800, hein, donc c'est baroque. Et ensuite une pièce très moderne de Gorka Hermosa, un jeune compositeur espagnol qui a le vent en poupe dans la composition. Vous allez voir, c'est rythmé, et c'est un mélange d'espagnol, Paco, donc Paco de Lucía, et un mélange des techniques modernes de l'accordéon. Jonas Vosbutas. Thank you.
Возбуждаясь. Il y a des petits anges comme ça, c'est juste impressionnant. Alors, pour ceux qui sont intéressés, demain matin de 10h à midi, il y aura une masterclass ici avec justement deux élèves, lui et l'autre artiste, bah deux artistes, celui-ci et l'autre que vous allez découvrir maintenant. Donc, ce sera de 10h à midi. Et on va essayer de démystifier un petit peu l'aspect d'abord technique, puis musical et artistique. De leur préparation pour les concours internationaux, de leur préparation tout court dans le monde de la musique. Vous allez voir que finalement c'est exactement le même travail que ce que vous faites à tous les niveaux. Voilà.